les amis, deuxième vidéo. Comment je suis content les amis, c'est un truc de fou. Surtout que j'y croyais pas forcément le recevoir aujourd'hui parce que déjà je tiens à souligner la communication désastreuse de Square Enix. Hein. J'ai été débité il y a une semaine, mais niveau mail j'ai rien reçu, juste comme quoi ma commande avait été validée quand je l'avais commandée. Je crois que je l'ai précommandé au mois de juillet, quand ça a été annoncé, hein, quasiment. Donc voilà, aucun mail, rien du tout. Donc j'étais pas sûr de le recevoir. En plus, d'habitude, mon facteur passe entre midi 15 et midi 30. Là, je suis allé voir à midi 30, il n'y avait rien dans la boîte aux lettres. Donc je dis, bon, voilà, c'est mort, je vais pas le recevoir aujourd'hui. J'étais dégoûté. Et un quart d'heure plus tard, bing dong, ah là, j'étais comme un fou. Et c'était ça. Voilà, donc je suis super heureux. Donc j'ai reçu ce porte-clés de Dragon Quest. On va essayer de sortir ça. Voilà, donc un porte-clés, hein, à l'effigie des personnages de Dragon Quest 11. Voilà. Avec Square Enix Members. Voilà, donc c'est parti. Je le débat là avec vous, ce collector. Je pensais qu'il allait être plus gros. J'imaginais ça plus gros, je sais pas pourquoi. Il est très sobre. J'adore la couleur. Donc là, on voit ce qu'il y a derrière. Voilà, ça fait un peu penser à un livre. Because of an exclusive age. Donc il s'ouvre comme ça, j'ai l'impression. Bon, je vais déjà installer le jeu. Je vais installer le jeu et puis je vais finir ma vidéo, comme ça, ça va. Je couperai au moins. Voilà, je suis allé installer le jeu direct, comme ça je vais faire ma petite vidéo le temps qu'il s'installe. Et je pourrai jouer, vous faire un petit live, donc 3 vidéos aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je suis vraiment très heureux. Donc, un magnifique artbook. On va voir à l'intérieur. Compagnon, compendium. Rigide. Tout en anglais. Alors, we are excited to finally be able to share. Alors, nous sommes très excités de partager cette expérience avec vous. Alors, cet artbook contient des illustrations qui ont été sélectionnées, des explications par rapport au document. Alors, il y a inclus des détails sur le background et des choses qui n'ont des informations qui n'ont jamais été implantées dans le jeu. Alors, pour éviter les spoilers, nous vous recommandons de jouer au jeu. Ouais, je vais pas trop regarder du coup. Je vais regarder vite fait comme ça. Ah, ça a l'air d'être sympa quand même. Hein. Belle artbook là. La carte du monde. Ouais, on va pas trop regarder du coup. On va d'abord faire le jeu, puis on regardera après. Hein. On vous montre vite fait, c'est vrai que ça va un petit peu nous spoiler. En tout cas, il est très très beau. Et ça, je vais... Suite symphonique, je vais la mettre. Oh là là, superbe. Attends, je suis vraiment content d'avoir une BO de Koichi Tsugiyama. On va aller la mettre d'ailleurs. Parce que j'ai un lecteur CD. Pendant que la vidéo se fait... Voilà, je vous ai mis la petite musique, je sais pas si vous allez vous l'entendre, mais bon. Et puis, un magnifique steelbook. Donc voilà les amis. Et une carte, donc voilà, il y a 3 éléments dans le collector. Hein.
Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu cher peut-être pour le prix, 140 euros, je l'ai payé. Ça fait un peu cher quand même. Et une carte, donc la map d'Erdrea. Je vais vous déballer. Hein. En tissu. Ça doit être assez belle, je pense. Ah, elle est vraiment très belle, par contre. Voilà. Ça est magnifique. Hein. Ah, franchement, un beau collector. Hein, pour la... Ouais, c'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais franchement, je suis content d'avoir la... Au moins, c'est des choses que j'aime, quoi. Les steelbooks, les hardbooks, et puis les OST. C'est tout ce que je recherche dans les collectors. Donc voilà, les amis, je vais vous faire un petit live maintenant sur Dragon Quest. Donc je pense que la vidéo sortira après, le temps que je fasse le montage et que je l'upload. Voilà, allez, à bientôt, les amis, et peut-être à tout à l'heure sur le live. Ciao !